Okay. Yeah. Ouais, bah c'est un bon début de tournoi, surtout quand on part comme ça le jeudi après-midi et le vendredi matin, c'est bien enchaîné, comme ça on a l'après-midi pour travailler les choses qui sont importantes cette semaine, et le putting et la vitesse sur les greens est clairement un point primordial que je vais encore essayer d'améliorer. Ça s'est bien passé pendant 2 jours, un driving aussi très bon qui me permet voilà, aujourd'hui de probablement finir dans les 10 premiers ce soir. Il y a un peu de vent là, ça s'est levé, on a joué 7-8 trous ce matin tranquillement, le reste était un peu plus compliqué, mais là les mecs cet après-midi vont avoir un peu de mal. Voilà, c'est un bon début de tournoi. Ouais, je suis assez à l'aise sur ce parcours. C'est un dessin qui me plaît assez vallonné. Il y a très peu de rough, vu que je suis quelqu'un de plutôt assez précis du départ, c'est pas censé forcément m'avantager moi, mais. Malgré tout, ça fait plaisir lorsqu'on ne fait pas un très bon drive d'avoir un lie correct pour pouvoir jouer le green. Par contre, vraiment des pentes assez diaboliques sur ces greens et on a vu des chips compliqués lorsqu'on loupe les greens. Donc il faut vraiment s'appliquer à être toujours du bon côté. Et c'est ce qu'on a bien fait, je pense, aujourd'hui avec Gary. Et c'est pour ça qu'on est comme ça après 2 tours aussi bien. Ouais. Bah, le golf français va très bien. Extrêmement bien, je pense que tout ça s'est mis en route avec Victor il y a bientôt 2 ans avec la Turquie. Alex Lévy a fait une année incroyable en 2014 en gagnant 2 fois. Romain Vatel a fait, je crois, 7 ou 8 top 10, plus quelques places de 11 et 12e. Il a vraiment fait une très très belle année aussi. Et nous, très sincèrement, ça nous booste. Grégory Bourdie a fait un très très bon début de saison. Gary Stahl a gagné à Abu Dhabi, l'un des 3 ou 4 tournois les plus relevés de l'année, avec le plus de points mondiaux. C'est franchement assez impressionnant, surtout d'où le golf français vient. On a été 2 ou 3 sur le tour européen il y a 20 ans. On a été 10 assez longtemps. Aujourd'hui, on est 12, 15. Et puis, on est 2. Il y a 2 Français dans les 50 premiers mondiaux, 3 ou 4 dans les 100. Voilà, j'ai envie de faire partie de cette histoire. J'ai encore, je pense, une bonne carte à jouer là-dedans et c'est vraiment une belle émulation, surtout que c'est un bon groupe de jeunes, c'est un bon groupe de moins jeunes. On s'entend tous bien et voilà, ça je pense que ça aide, ouais.